Diorana, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ça pousse au Fénois le Mag, une nouvelle étape dans notre voyage au centre de notre terre et de notre Fénois. Savez-vous qu'amender au sens littéraire veut dire améliorer? Et en agriculture, rendre plus fertile, enrichir la terre, la nourrir. La terre nourricière, pour accomplir sa mission, a besoin à son tour d'être alimentée. C'est cela, un amendement. Contrairement à l'engrais qui, lui, va nourrir directement la plante, l'amendement améliore le sol de façon durable au niveau de sa structure ou pour compenser une carence en tel ou tel élément. Une terre vivante équilibrée, bref, en bonne santé, va permettre à la plante de se développer harmonieusement, naturellement. Et pour diminuer les engrais et les produits chimiques, le meilleur moyen est d'amender la terre avec ce qu'elle préfère et ce qu'elle fabrique elle-même, la matière organique. Elle est issue de la décomposition des organismes vivants. Nous allons partir à la rencontre de ces agriculteurs qui réactivent des pratiques anciennes pour la fertilisation des sols et l'utilisation d'engrais naturels. Dans ce voyage, on va rencontrer Itaï Yann de la ferme HP à Tarabo, qui nous dira combien il retrouve dans sa pratique d'aujourd'hui tous les préceptes que lui ont enseignés son grand-père. Il nous a ouvert les portes de son exploitation et nous expliquera le lombricompostage et les engrais à base de déchets de poissons. L'équipe de la commune de Taputapuatia nous présentera leur entreprise de compostage des déchets verts et le recyclage des déchets d'animaux. Des projets de plus en plus nombreux germent sur le Fénois et enrichissent eux aussi les ambitions d'une agriculture naturelle et plus saine. Et ce n'est pas Thomas Moutam, le maire de Taputapuatia et nouveau président de la Chambre de l'agriculture, qui me contredira. Ce système de plantation, à l'époque, nos anciens, ils faisaient comme ça. Ce n'est qu'après, quand ça arrivait la facilité, comme je disais, il faut rendre à la terre ce qu'il y a à la terre, il faut rendre à la nature ce qu'il y a à la nature. Et en plus, il faut travailler avec la nature, non pas contre la nature. Ce n'est pas évident, mais petit à petit, tu peux arriver. Ici, on a la ferme HP et le slogan ici, c'est « Vivre et planter comme à l'origine ». Je pratique l'agriculture depuis longtemps. C'est mon grand-père qui m'a appris l'agriculture biologique. Depuis petit, je le suivais dans le champ. Il me montrait comment il faut entretenir les affrichés, comment il faut planter, aimer la nature, respecter la nature. Depuis 2009, nous avons commencé à exploiter la terre. Alors, je me rappelle quand nous sommes arrivés ici, c'était une terre à l'abandon. Nous avons commencé à nettoyer, à former les champs, à former les redans. Nous avons essayé beaucoup de techniques. Nous avons fait appel à un professeur d'Australie, le professeur Usen Chen. Les légumineuses enrichissent le sol. Du coup, c'est pour ça que nous avons planté des haies de légumineuses et au milieu des haies, nous avons mis des redans, nos redans de légumes. Quand on a fini de tout récolter les légumes, on taille les légumineuses en petits morceaux, on met sur la plate-bande, on laboure, on mélange, on incorpore dans la terre, on couvre. Au bout de 2 semaines, on peut réutiliser. À ce moment-là, tu as tous les vers qui sont remontés, ils ont tout dégradé les légumineuses, ils ont tout dégradé les branches. En fait, on essaie de recréer la nature. Je vais couper des légumineuses pour mettre autour de nos pieds d'aubergine. Ainsi, ça va créer une couverture de sol et ça va créer aussi du compost. Ça va créer aussi un super écosystème autour de mes pieds d'aubergine. Et c'est bon pour les arbres, c'est parfait pour les plantes, c'est tout ce qu'ils veulent. Ça, ce sont les anciennes couches de légumineuses que j'ai jetées, ça a tout dégradé. Tous ces petits morceaux-là, c'est devenu de l'humus. C'est poreux, l'eau s'infiltre bien, ça garde l'humidité et il y a plein de petites bestioles à l'intérieur.
Ici, nous sommes dans la partie des lombricomposteurs. C'est là où nous élevons les vers de terre. Ces vers de terre-là, ce sont des vers spéciaux. On les appelle des lombris de fumier. Et en fait, eux, ils ont la capacité de dégrader deux fois plus vite les aliments que les vers de terre normaux. Les vers de terre normaux, ce sont des vers de terre de galerie. Ils font des galeries, mais eux, ils décomposent les aliments et ils te donnent un super engrais. Les vers de terre, ils mangent tout ce qui est végétal. Alors, c'est très important, le vermicompost, pour les plantes, parce que c'est un compost à froid. Il ne brûle pas les racines. C'est très important pour les semis. Quand nous faisons notre terreau, nous mettons du vermicompost pour que les racines puissent facilement assimiler l'engrais. Là, je vais préparer le terreau pour les semis de légumes. Je prends d'abord du compost. Ensuite, je prends du vermicompost. Je rajoute de la perlite pour que mon terreau soit plus aéré. Maintenant, on va aller faire les semis. Là, je vais repiquer les petits semis de roquettes. Alors, on fait comme ça. C'est pour ça qu'on utilise le vermicompost, ça aide le semis à mieux pousser. Alors, pour faire de l'engrais poisson, c'est très simple. Ici, j'ai mis 30 kg de poisson broyé. J'ai cuit d'abord le poisson. Ensuite, j'ai mis 10 kg de mélasse. C'est important de mettre la mélasse parce que la mélasse, c'est la nourriture des bactéries. Et j'ai rempli le tout avec de l'eau. Je remue une fois par semaine. Ici, au bout de 2 mois, mon engrais sera terminé. Et là, je pourrai arroser mes légumes quand ils sont en manque d'engrais. Tu mélanges avec de l'eau et tu arroses avec l'arrosoir. Nous sommes une ferme pilote, nous sommes ouverts au public. Nous apprenons à qui veut savoir comment planter bio, nous leur montrons nos techniques. Moi aussi, maintenant que j'ai fondé ma petite famille, j'ai envie aussi de transmettre à mes enfants. J'ai envie de leur donner une terre saine. Alors, toute notre production de légumes et de fruits, vous pouvez les retrouver au magasin Araka à Pirée. De la commune de Taptapouater, comme on appelle aussi la pépinière. C'est un endroit où on amène tous les déchets verts qu'on ramasse 2 fois par semaine. Dans la semaine, on peut avoir quand même 10 à 20 tonnes par semaine de déchets verts. Hein. Et une fois broyés, on les récupère pour pouvoir les préparer avec la fiente de poule. C'est la fiente de poule qu'on récupère au moins 2 fois dans la semaine, presque 1 à 2 tonnes. Et qu'on mélange après avec le compost frais. Qu'on le laisse reposer au moins en gros 6 mois pour pouvoir après le mettre en vente. Les gens veulent du compost tamisé. Le compost tamisé, on le passe par la machine, hein, qu'on appelle le gribbler. C'est surtout pour faire les semis. On tourne bien avec les agriculteurs. Hein. On a des demandes de compost, on arrive à fournir. Et maintenant, on fait aussi les engrais de poisson, ouais, on fait tout ça. Là, on a quand même 3000 m² ici, hein, à la pépinière, hein, pour pouvoir préparer le compost. Mais bon, avec tous les projets qu'on a, hein, la commune a lancé la plantation de noni. À présent, on a fait au moins
6 à 7 hectares de nounou. C'est la commune qui défriche le terrain, qui fournit le compost et qui plante. Et qu'on donne à des foyers, on fait une convention avec la commune. On les donne au moins 5000 mètres carrés par foyer. C'est un FAPO que la pépinière est en train de faire des tests. Si tu n'avais pas les bouts de bois, ben, tu aurais déjà séché là. Là, c'est toujours humide. Voilà. On nourrit le sol avec des composts de la pépinière. En fait, on plante, c'est pour les enfants de la cantine. Du gingembre, de l'aubergine, le manioc, l'ananas, pastèque, de la vanille aussi. Merci pour cette démonstration. Rendre à la terre ce qui est à la terre et même redonner à la terre une partie de ce qui provient de la mer. Mais en plus de l'octroi de terres à cultiver aux familles sans ressources, signataires d'une convention, la mairie, grâce à son FAAPU communal et les familles impliquées, espère approvisionner totalement en fruits et légumes la restauration scolaire. Les cantines, tiens, ce sera le sujet d'un prochain numéro. À très vite pour une nouvelle étape de sa pousse au Fénois-le-Mag qui nous emmène sur les 5 archipels au cœur de notre terre et nos racines. Maurururua et à bientôt.